me nga nacomprenaka bato mosusu te bozalaka na esra musika boyemba bino tou ndimaka moto na epoke na ye me olongo aesa mia a bisengo kaka usavai parceqe ta etaindedirebondimakamotonapabino mooboyembang Tangobozana pana esta muzika mebele oyo bolongwe bino moko bokoloba roga roga roa roga roga lompade roga roga missile bokumi say mais lelo paske bolongwe bokomi kolax na bato te bozanga danger naba nzembo oyo econfirme qu'ajamais ki danger na bino c'est la distraction parce que roga roga vous a démontré que est le premier de la classe musicale de notre cité je vous avais dit ici c'est parce que non, bon, vous avez la courte mémoire. Moi, je vous dis que la vérité, chers compatriotes. Je vous avais dit ici et je le répète. Le premier, on le soutient. Le deuxième, on l'encourage. Mais quel le deuxième C'est le deuxième qui doit respecter le premier, qui ne doit pas chercher à tuer le premier parce que si tu tues le premier en tant que deuxième, nous allons tous perdre. Robert, relever le défi, c'est un succès historique ce que Roga a réalisé. Parce que Roga Roga qui est tête d'affiche. C'est ça hein, le stade que vous voyez là. C'est Roga Roga. C'est lui qui était la star. Roga Roga. Tête d'affiche. Ça veut dire que si vous voulez détrôner Roga Roga, vous qui êtes en train de jaboter, vous devez jouer là-bas en tant que tête d'affiche. En tant qu'orchestre, ça sera discutable. Parce qu'il y a ko Roga Roga au stade Masamba Deba, à Bukiyango mais know digifal oaibika ko lobaka kilikili ke ndo chapeli bayakunato mona tête d'affiche digifal au stade Massamba Deba soko ko sala o moninga sali parce que là là roga vous pouvez plus rien le reprocher boko ko lobato no il a fait ça na kombre étrange non 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 pour ba moni affiche moni roga roga va jouer au stade Massamba Deba bato ba yete ponda ba nzebo parce que quand quelqu'un met sa tête eh ben tu peux te dire que bon Arobetta, peut-être à Yemoko, ou à jamais à Extra Musica. Même là-bas, il n'a pas joué les, les chansons, il n'y a qu'à la Extra Musica. A yasika à Zembo, il y a Yemoko, Abeti. Donc, ça veut dire qu'il devient même dans l'histoire d'Extra Musica une personnalité invincible. Parce qu'à un stade, tu vas commis « Rogaroga au stade de ma Tête d'affiche. Accompagné d'un son extra-musique. Mais tout les qui ont qui mettait dans les affiches Dites-moi, qui ont mettait dans les affiches C'est dans mon qui n'a Donc, il a démontré même au faux-père de la musique de « Rogaroka que tu ne peux pas être égal à moi. Et tu es un faux père parce que tu veux jalouser le fils qui te dépasse au moment où tu n'as pas la même carrure du succès musical que le fils. Donc, Guigui cesse d'être aigri parce que là, Rogaroga nous a démontré qu'il n'a pas eu besoin de votre succès d'Extra musique pour être ce qu'il est. Il est rentré dans l'histoire avec. La reconnaissance avant tout des Congolais pour son travail qu'il a fourni pour honorer le Congo, mais pour ce qu'il représente comme leader charismatique et aujourd'hui leader historique. C'est fini. Il vous a tué. C'est-à-dire que Rogaroga, c'est Rogaroga. C'est fini. Parce que ce qu'il a fait, ça dépasse même Kora, ce qu'il a fait. Parce qu'il a démontré publiquement que le peuple congolais l'aime. Et avec ce peuple, il ne peut que continuer à faire la musique tant qu'il a la force de faire la musique. Il est rentré dans l'histoire, c'est fini. Il vous a tué. Là, il ne venez plus nous mentir. Oh, c'est Estra Non, c'est Roga-Roga. Tête d'affiche, il a affronté Massamba Deba. Pas à Koh C'est fini, il est parti. Donc ça veut dire que vous qui avez vociféré ici là, oh, Estra music, est-ce que vous parce que je vous avais dit ici, cette histoire-là, ça date depuis de 20 ans. Depuis que les gens Mais c'est fini cette histoire. Puisque lui, il est venu briser ce mythe-là. C'est fini. Parce que là, on a vu un Rogaroga, tête d'affiche, Yemoko, affronter stade. Même s'il était accompagné, mais vous savez très bien, ce sont les bussins qu'il a recrutés. C'est fini. Ça dit que le lendemain, zoba, oh un Rogaroga et ça est traumatique ce n'est pas parce que ceux qui sont venus là-bas pour la majorité ce sont des enfants de 2000 par exemple baba na ba 1910 baba na ba vingtaine il y a un peu ba trentaine après Bartolongoli ba autorité mais autorité cadre kaka il y a reconnaissance il y a personnalité culturelle au euro gako ga mais ce ne sont pas ces personnalités là qui ont rempli le stade le stade a été rempli par le bas peuple qui a reconnu la grandeur musicale de Rogarog? Donc, faites très attention. Histoire Nabino et connaître Penza Cessation. Ici, on ne peut plus parler encore d'Extra oh, Musica. Non, parce qu'on a vu, les chansons qu'il a jouées là-bas, ce ne sont pas les anciennes chansons d'Extra Musica. Il a joué son Bokoko, qui est un succès mondial. Il a joué euh, ses cris qu'il a réalisé à peine et quelques chansons Oyemoko a composé. Et comme il a longtemps été mal défini, euh, il a longtemps été critiqué d'une mauvaise manière en disant simplement que Rogaroga n'aide pas les jeunes, que Rogaroga n'a pas un penchant envers les jeunes, que Rogaroga ne pose pas son regard envers les jeunes, il vous a démontré que je veux simplement permettre à ces jeunes de s'exprimer. Ils n'étaient pas obligés. Il est parti même voir les MC Baba là où ils étaient en train de répéter. Et j'ai dit que je regrette que les gens sous la toile vous puissiez avoir le toupet de dire que Rogaroga va voir ces jeunes là parce que Rogaroga a besoin du succès de ces jeunes. J'ai dit que même si tu es malhonnête, même si pour toi à un moment donné soyez intelligent. Donc, Carrière au Eurogazan et ça ont pour nous réunir même 100 personnes. Donc il faut que le monde à M. Baba pour au moins 100 personnes. Roga est parti là-bas parce qu'il a compris ce sont les jeunes qui sont talentueux. Il est parti simplement les soutenir. Et il a bien fait. Parce que, regardez un musicien comme MC Baba. Il a joué au stade Massamba-Deba avant les soi-disant bons chanteurs du Congo. Ce jeune homme est rentré dans l'histoire. Pour MC Baba, c'est vraiment. Un CV immense et je le félicite. Nombreux sont en train de dire, oh, c'est parce que maintenant, on parle de MC Baba. On parle de MC Baba où Sur la toile. Mais Binobali Boma. MC Baba, quand tu vois sur sa page, il y a peut-être seulement 12 000 ou 11 000 personnes qui le suivent. Et virtuellement. Et vous le savez très bien que le succès virtuel n'est pas souvent comparable au succès réel. Mais regarde lui fait jouer où Au stade Massamba Deba. Le jour où vous savez très bien que les yeux du monde étaient posés sur les deux capitales, c'est-à-dire ceux qui ont pressé chez Ferré étaient visibles, ceux qui ont pressé chez Rogaroga Roga étaient visibles. Mais il y avait des personnalités là-bas qui ne connaissaient pas M. Baba, mais qui ont vu M. Sibaba Baba ce jour là. Et regardez même ce que Rogaroga Roga fait, c'est un acte fédérateur. Il dit Faut soutenir ce jeune. Mais beaucoup vous êtes en train de parler seulement. Oh non, eh Mais qui est parti aux répétitions de M.C. Baba Zumong ou Naïa Pessibango On a vu que Rogaroga là-bas. On ne vous a pas vu là-bas. Donc à un moment donné, quand l'autre est en train de faire des actions louables ou euh, des actes salutaires, il faut vous respecter. C'est seulement Rogaroga qu'on a vu là-bas aux répétitions de M. Baba à Pessibango, On à féliciter Bango. Et je vous apprends, ça ne va pas s'arrêter là. À reproduire wana. la maison in Brox. Maintenant, vous avez déjà produit qui dans la musique Dites-nous, parce que moi j'aimerais aujourd'hui savoir. Mais non, bon, vous venez parler mal de Rogaroga parce que vous voulez avoir de la visibilité, parce que vous voulez qu'on parle de vous, parce que vous savez que si vous ne diabolisez pas Rogaroga, on ne parlera pas de vous. Je vous dis sincèrement la vérité.